d'un incident, d'ailleurs c'était le jour de la marche du 15, organisée par le MONCA, nous avons appris qu'un ambassadeur de l'Union africaine a été caillassé par des manifestants. Donc cela est susceptible de déstabiliser l'entente entre notre pays et puis le pays de l'ambassadeur qui a été déclaré. Donc nous déplorons aussi cette attitude. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui nous a poussé à prendre certaines résolutions. Alors, la résolution que nous avons prise à partir du pont Matete jusqu'à l'aéroport, ce périmètre-là va devenir une zone neutre sur laquelle on ne peut plus manifester. Donc les gens qui veulent manifester peuvent aller manifester ailleurs. Là, ça entraîne beaucoup des ordres, ça entraîne beaucoup d'embouteillages, et ça empêche non seulement les Congolais, mais aussi les expatriés, notamment les ambassadeurs qui sont installés ici à Kinshasa, de pouvoir aller à l'Europe.